Salut à tous, c'est Arkenke et bienvenue dans Xenoblade Chronicle. Alors pour commencer, je voudrais vous montrer qu'en fait, voilà, je vous montre le nouvel arc que Melia avait appris, hein, donc entrave spirituelle, donc du coup j'ai mis des points dedans, parce que bah, déjà ça fait des dégâts, c'est pas mal. Et en plus ça empêche l'ennemi d'utiliser ses arts, donc d'utiliser des grosses attaques, d'éviter de vous en prendre plein la gueule quoi. Copie d'invocation, c'est quoi ça invoque de nouveau le dernier élément invoqué? Ah, okay. Ça peut être pas mal aussi, ouais ça, pourquoi pas. C'est mieux que faire, attends, hein, ouais. Être pas mal, ça peut être pas mal. Ah, parce qu'après sacrifier ses propres PV, je suis pas trop pour. On recharge 42 40, voilà, on a gagné 5 secondes au moins. Donc voilà, sinon je suis que je lui ai augmenté la lacération dorsale. On va juste regarder Riki, t'en es où Riki, parce qu'en fait j'en ai marre de combattre avec toi Riki. C'est quoi Riki? Tu vas te faire remplacer. J'ai envie de reprendre Dunban, moi. Qui, à lui, a pris du retard, du coup, sur Shulk, hein, regardez. Quoique, il est à peu près comme Charles, donc ça va. Ils sont pas trop à la bourre, regardez, hein, on est tous niveau 38, mais bon, ça commence à freiner un peu, quoi. Donc, bah ouais, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de quêtes, donc du coup, ils ont gagné l'XP quasiment en même temps. J'ai rien fait, hein. Je vous dis, là, on va juste continuer un petit peu à se déplacer. Là je tourne encore un épisode, hein, j'ai le temps d'en tourner, donc voilà. Sachant que là où je tourne, là, ce soir il y aura du Splatoon, donc je vais encore tourner une grosse heure après. Donc là ça sera le dernier épisode que je vais tourner de Xenoblade cette semaine, je pense. Le temps de tout monter, je sais même pas quand il va sortir celui-là pour vous dire. Ah. Tant mieux, c'est quoi? Comme d'habitude à ramasser plein de choses. Oh tiens, salut toi. Allez. Mais il est paralysé, c'est pour ça que je peux pas bouger. Hein. Merde, je me suis raté. Allez, crève. Parfait. Donc vous voyez là on est vraiment sur le dos, hein. Je vous montre un peu la vue aussi de cette zone, hein. Qui est vachement bleu là-bas, c'est la tête de Bionis, hein. Donc là c'est un téléporteur, donc là ça va m'indiquer une nouvelle zone j'imagine. Non même pas. Bon bah ça va le faire quand je vais me mettre là alors. Voilà, récif flottant numéro 1. Faut juste que je regarde un truc, c'est Riki, il en est où? Quoique Riki, il faudrait bien que je le mette à... Ça ira plus vite là, il me reste pas beaucoup. J'aimerais bien qu'il l'ait tout de suite celui-là. Je vais juste le remettre le temps qu'il gagne celui-là. C'est bon, la boule de poil nous a rejoint. Alors, on va éviter Belmos le turbulent. Tu m'intéresses. Le problème, c'est que tu m'intéresses, mais il y a tellement du peuple à côté. Ça va qu'il attaque pas, hein, mais j'aimerais bien qu'il vienne vers moi en fait. Voilà. Allez, c'est parti, on se fait un petit boss. Commencer. Avec le niveau qu'il a, il arrive à... Putain, mais attaquer celui-là, bordel. Ça marche pas bien ce système d'attaquer avec celui-là, regardez, il attaque que l'autre. C'est quoi? Je vais attaquer celui-là. Crève.
Voilà, maintenant on va pouvoir attaquer celui-là, tranquille. Putain, il s'en prend depuis le dernier moment. Bien, Ricky, c'est pour toi. Parfait. Donc là, on va gagner encore beaucoup de trucs pour faire tomber. Ces ennemis volants, ça va bien. Hop, voilà. Ricky, il est placé où lui? Il est placé sur le côté. On fera une hémorragie. Là j'ai plus d'armure donc il risque de me faire très mal. Ça se passe plutôt bien. Je dirais j'aurais pu le faire plus tard mais... Déjà ça te donne de l'XP et en plus oh, il y a toujours un gros coffre à côté, donc casque ventilé et bâton. Alors le bâton il sera pour... je pense que ça va lui changer d'ailleurs son bâton. Non même pas. Je préfère ce que j'ai mis sur son bâton. Non je lui ai rien mis. Ouais sans plus hein. Ça lui donne quand même pas mal de PV hein. Ça vaut le coup qu'elle attaque un peu moins fort et que... Oh vas-y prends-le ce bâton. Voilà. Alors, en plus je peux peut-être y rajouter des gemmes non? Non, j'ai déjà PV 4 dessus. Voilà. Là ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que ventilé? Non, non. Elle ça lui baisse un peu son éver mais ça se trouve... Voilà le diadème du voyage c'est pour ça. Mais bon ça améliore pas mal sa défense. Hein. Regardez. Ouais, laisse tomber, tiens, change de casque, ça te fera pas de mal. Cap céleste, ça sert à quoi ça? Ah d'accord, c'est qu'en fait tu... Il faut vraiment se rapprocher d'eux, quoi. Pour qu'ils te voient. Ok, voilà, donc on va continuer. Ricky, t'en es où? On est sûr, il y a ça. J'ai même pas pensé à le faire pour mon village frontière, ouais. Sinon j'ai 100% partout quasiment. Bon, à l'intérieur de bonus, c'est normal que j'ai rien pour l'instant. Ah non, marais, il m'en manque un dans les marais, ouais. Et après, c'est 100% partout. Mais bon, ouais, dans les marais, putain, pourtant, je me suis baladé. Ah bah... Il ne doit y avoir qu'une petite zone où on peut les trouver. Donc c'est pas ici qu'on regarde, c'est là. Ricky n'est toujours pas un super ami. Fait chier, c'est très long. C'est très long de faire passer les... Il manque un peu moins de sang. Donc là vous voyez 1500 mais en fait c'est toujours un peu moins loin. Oui ça nous indique où ça nous téléporte. Moi je vais me téléporter un peu partout, hein, on va se dépêcher. Hop. Voilà, ça nous donne des points. Déjà presque niveau 40, hein. La dernière fois quand j'ai fini le jeu j'étais à peu près niveau 70. Alors regardez, il y a un système de défense là. Comme on a combattu une fois, donc ils sont toujours aussi forts ces machins. Mais bon, maintenant on est tellement meilleurs que. Parfait. 200 XP, bah ça valait le coup que je me le tape. Hein. Alors j'ai encore trouvé un objet un peu spécial. Il
Y a quoi là, y a rien. Donc ici c'est une très belle zone, je disais, par contre aussi. Le problème, ce que j'aime pas ici, c'est qu'en fait, voilà, c'est que sur des plateformes, donc c'est vrai qu'on se fait un peu chier des fois pour les quêtes. Puis regardez, pareil, hein, vous avez vu le tour que ça fait? On peut aller partout. Hein. Donc voilà. Allez, petite téléportation. Donc on gagne toujours un peu d'XP, on a gagné un peu tout, lui c'est... Merde. C'est quoi ça? Un Oud? Ah oui, c'est vrai! Il y en a des géants, hein, des combos là. Il m'a reculé. Parfait. Bon, celui qui n'a pas gagné de nouvel art. Je sais pas combien d'art il lui reste à apprendre. Dans le dos, hop, ça va plus vite. Bon, ils donnent pas beaucoup d'XP à eux, je veux pas se les faire, ça sert à rien. Voilà, 130, il valait un peu plus le coup quand même. Voilà, donc ça augmente pas si vite que ça les points de compétence. Hein. On est pas loin de la ville en fait, hein. Regardez, il y a la base là-bas. Et la base est là-bas. Avec la base là-bas, on se déporte là-haut. Elle est juste au-dessus de nous, là. Et bon, là, j'imagine le point de compétence. Le point. Ah, si, ça doit être en bas. Ça doit pas être là-haut. Ah, attendez, il y a un point là-bas. Ta mère, là, t'es fort, quoi. Ah, 36, allez, ça vaut le coup, je pense. Ça, on va se le faire, l'objet, hein. Quoi, on va utiliser ça, ça améliore les relations. Quoi qu'il prend du dégât, vas-y, c'est toi. Parfait. Niveau. Pas de nouvel art. J'ai gagné une arme. C'est pour Iki, je crois. Ah, j'ai gagné beaucoup d'XP là. Je pense que j'ai dû gagner un trophée. Je vais regarder ce que c'est. Non, il est pas bien par rapport à sujet, mais sujet, moi, il est assez bien parce que je l'ai pris sur un gros boss. Pardon, doré, c'est quoi ça? Sans ennemi, rien. Merde, du coup, ça me le marque pas. J'aurais dû appuyer tout de suite, je sais pas. J'ai dû en gagner les deux d'un coup. Il y en a beaucoup, hein, regardez, c'est... Ouais, il y a tellement de trucs, mais ça, moi, je le ferai plus tard. Alors, il y en a qui m'attaquent à distance, hein, faut que je fasse gaffe. Enfin, qui m'attaquent en me voyant. Je vais juste me téléporter pour faire le point de repère, ça ira plus vite après pour la suite. Vu que je suis à côté, j'en profite. Alors, récif flottant numéro 3, ça me donne des points de compétence. En fait, ce qui est bien quand on trouve des nouveaux lieux, c'est les points de compétence. Ça en donne vachement plus que quand on déglingue des ennemis. Donc,
Bon, par contre, je disais aussi, c'est pas mal les épisodes de 40 minutes. Alors, plus tard, si j'ai une meilleure connexion internet, je ferai peut-être que ça d'ailleurs. Au niveau du let's play, enfin, ça dépend les jeux aussi, parce qu'il y a des jeux. Après, là, il y a Trim 3 là, qui est sorti. Enfin, bon, moi, par exemple, le premier épisode est sorti aujourd'hui quand je tourne cet épisode là, mais vous, ça fera bien plus de semaines plus tard, je pense. Mais voilà, il faut. Quand c'est des petites séries comme ça, Trin, sachant que si je fais des épisodes de 20 minutes, ça vaut pas le coup. Je vais torcher le jeu en 3 épisodes. Mais après, des jeux longs comme Xenoblade, ça, c'est quand même bien rentable. Portail central, donc voilà, 66 points de compétence. Vous voyez, là, au moins, Ricky, il est presque être au top, là. Ça se trouve, je me tape un mec ou deux et je me débarrasse de Ricky. Ah bah, il l'a eu. Il l'a eu à un moment, je pense. Voilà, gagne autant d'expérience même sans participer au combat. Donc Ricky, je suis désolé de t'annoncer ça, mais tu prends ta retraite. Voilà. Et regardez, Rain, il est pas si loin que ça. Hein. Pourtant, je le fais jamais combattre. Hein. Ricky, c'est même le plus faible. Bizarre d'ailleurs, tiens. Ah bon, voilà, il ne combattra pas, tant mieux. Il a peut-être besoin de plus d'XP, je sais pas. Là, j'ai gagné beaucoup de points, mais peut-être pas assez. Non, ça vaut pas le coup. Dunban non plus, Ricky non plus. Oui, il faut passer par là, donc. Donc voilà, une très belle zone aussi, hein. Regardez, c'est vraiment... c'est vachement plus coloré, ça doit mieux sortir sur YouTube que des niveaux comme la jungle. あの頭の翼は。あれがハイエンタ?おかえりなさいませ、メリア様。ん?え?出迎えご苦労。ここにいるホムス、および野本は我が同行者である。 メリア。今は何も聞かないでほしい。監獄島へは私が導く。うん。皇主陛下に拝謁するには手続きが必要だ。待てるか?待ってるよ。君がそう言うのなら。ありがとう。 メリア様ね。ふん。シルク、あの子はひょっとすると、たとえどんな素性であろうと、メリアは、メリアですよ。そうか。<笑>そうだな。なんだこいつらは。 Voilà, donc là je vais contrôler Melia toute seule. Du coup, elle va faire pas mal d'XP, donc ça fait un peu bizarre de l'avoir toute seule parce que voilà. Yahoo! Voilà, donc on peut faire ça. Regardez comme elle, cette petite démarche.
Ça me rappelle un peu la démarche de Lana dans Hyrule Warrior. えい、日の子が命名が生きながらえるとは。申し訳ありません。このタルコ、必ずや皇妃殿下のご加盟を果たしてみせます。この甲とでか。陛下もあの者の身辺には格別の配慮を下されておる。この絵衆の隙をつけるというのか、そなた一人で。神明を落としまして、必ず。 Voilà, donc là j'ai gagné. Ah, il faut que j'effectue un rapport. Ah, machin, j'ai pas le droit de me balader. D'accord, donc en fait, mais je sais pas pourquoi il me téléporte juste là. Il a pu juste me dire. Un mur invisible, genre, ça me bouge plus quoi. Bon, bref, voilà, donc on va continuer. J'en suis juste. Ouais, 21 minutes. Bon, là j'ai le temps, oui. Donc voici. Ça fait un peu un endroit propre, hein, on n'est pas habitué. Ça fait tellement longtemps qu'on se balade dans les piales que. Allez, ici c'est impressionnant l'XP que ça rapporte de venir ici. Je lui ai mis un pouvoir il n'y a pas longtemps, elle a déjà 1500. Elle en est où? Plus de chances d'extraire les cristaux rares des mines. L'effet infligé par frisson dure plus longtemps, la force des verres augmente considérablement. Ah ouais, ça augmente pas mal, ouais. Regarde juste si c'est plus intéressant de lui mettre autre chose, mais... Elle, c'est de nuit qu'elle est plus forte. Contrairement à Riki, c'est la journée. Je vais enregistrer ce tête-à-tête. Voilà. Voilà, ici il y a une petite fresque, je vous la montre, hein, avec Mekonis et Dionys. Hein. Voilà. Allez, on continue, on progresse. Hein. Petite balade dans le palais. Salut madame. Je parle avec personne, j'ai pas le goût. Vous me faites tout chier. Voilà, je saute aussi, je fais n'importe quoi. Yahoo! Halle de l'ascension, cette partie. Voilà, donc là on est dans la salle du trône. Hein. Alors, on va profiter de la belle vue, non? On peut? On peut au moins, s'il vous plaît. Voilà, en plus ça donne de l'XP. Il y a un tête-à-tête à faire en plus. Lélia et Rain. Donc il faut qu'ils soient vraiment amis. Regardez cette vue qu'on a, alors là, sur un petit peu sur la ville, là. Ça fait un peu genre dans Stargate Atlantis. Vous voyez, ça fait un peu les zones, sauf que dans Stargate Atlantis, la cité ressemble à un flocon de neige, mais... Vous voyez, il y a une belle vue, là, on voit tout le dos de Bionis. Voilà, bah c'est les épaules et en face c'est Mekonis, là on voit bien là, Osus au-dessus de la tête de Melia, voilà. C'est vraiment sympa. Ya, pas envie de me téléporter. Allez, on va voir Sa Majesté l'Empereur. Ça va utiliser un langage qu'on n'utilise pas souvent. Ça, les audiences, j'ai encore gagné de l'XP, nickel. Daichi Ojo, Melia Ancient, Tadaima Kisantsuka Matsurimasta. Omote o age yo. Hai.
歴戦の騎士団ですら打ち果たすことができなかったテレシアをそなたが倒してくるとは我が血のなせる技とうぬぼれたいところだな。ですが陛下からお預かりした忠臣たちをことごとく失いました。私の未熟ゆえであります。構わぬとは申さぬが仕方なき義ではある。そなたに助力することがかの者たちの任務であった。そなたの未熟非力は皆が承知の上である。はい。悔しいか。ならばその気持ちを忘れずにいるがよい。悔やむ機会を与えてくれた者たちへの感謝を忘れずにな。陛下、そのことですが、私が助力を受けた者は他にもいるのです。そなたが伴ってきたホムスとノポンか。その者たちは先ほど皇都警備隊に拘束させた。シュルクたちを。そう、そのシュルクとやらの振るう武具ゆえにな。シュルクの振るう武具、モナドのことでしょうか。やはりな。もしあの者が使う武具がまことにモナドなのであれば感化するわけにはゆかぬのだ。なぜです。皇家に伝わる古からの伝承、神与の剣モナド、その剣巨神が選びし者に授けられる神与の剣なれど、横島なる心の者が震えば我らがハイエンターに最悪をもたらすと伝えられている。ハイエンターとて善良な者も邪悪な者もおる。それはオムスやノポンとて同じこと。ましてやモナドを扱う者となれば、彼らが闇に属する者であるか否か、ほどなく神聖予言官の審問により明かされるだろう。ではシュルクたちにコートでの行動の自由は。ならぬ。父上、いえ陛下、シュルクたちは決して邪悪なものではございません。そなたは立体衆を控えた大切な身、心身を清めて時を待つがよい。陛下。妹よ、そなたには陛下の言葉の意味がわからなかったのか。兄上。陛下は皇太子とおっしゃった。つまりお前を認めたのだ。時代のハイエンター公主はお前なんだよ、メリア。私が兄上ではなく。ああ、以前から陛下に相談を受けていた。そして私も賛成したのだよ。ハイエンターを導く者としてお前がふさわしいと。事実お前は命を落としてテレシアを討ち果たした。私はメリア。私はマクナで忠臣たちを。そのようなものに好意など。今は彼ら遺族の前に立ち詫びたい。メリア、立場上それが無理なのは分かっているはず。ええ、分かっています。分かっていますとも。陛下のおっしゃった通り、今はただ冥福を祈り、その勲功を我らの心に刻もうではないか。はい。そなたが躊躇する理由はよくわかる。だが胸を張るがよい。そなたには皇太子としての資格があるのだから。私が皇太子。その通りです。記録員、探求員ともに全員一致で陛下の選択を支持しております。私最初ローラン個人といたしましても一片の依存もありませぬ。そうなのか。皇主陛下のご聖断といえど私には疑問があります。モナドの持ち主、巨神に選ばれし戦士を粗略に扱ってよいものかと。
そなたもそう思うか？はい、ただ恐れ多くも陛下に過ちが終わりだとして臣下が正すなどということは叶いません。ですが神聖予言官となれば別格。予言官殿がシルクたちに今頃面護なされていることでしょう。ったく、俺たちが何したって言うんだよ。部屋は豪華だけどよ、軟禁同然だぜ。メリアはどうしたのかしら。少なくとも彼女は丁重に迎えられてたようだったけど。そうだよ、あいつ怪しいぜ。シュルクはどう思うんだ。僕はメリアを信じたい。彼女は監獄島への案内を約束してくれた。彼女は約束を破るようなそんな人じゃない。わかった、わかったよ。俺だってシュルクを信じてるんだ。お前がそう言うなら俺も信じるよ。Voilà, donc là je contrôle Chic tout seul, je crois que c'est juste pour ça les audiences, si ça ne donne pas de XP. Ah, quand même, moi j'avais la dalle là. Alors, 2244, putain dommage. Voilà, donc bon, ici je parle un peu à tout le monde. Oh merde, il avait pas dit la même phrase, bon, c'est pas grave. Voilà, je laisse le temps de lire. Mais oui qu'on peut lui faire confiance. On est des autres. On est gentils. On serait mort depuis longtemps. Riki, il est sur la table, monsieur. Il est méchant. Mais c'est... Mais on le connaît, c'est Alvis. Ah, Alvis ? Naze kimi ga koko ni ? なるほど、それが君たちの目的か。メリアは大丈夫。僕たちよそ者をここに入れたことで彼女に迷惑がかかってるんじゃ。それはないな、絶対。そもそも君たちが拘束された理由はよそ者だからじゃない。まさか。そう、君のモナドだ。ハイエンターという種族はね、モナドとの関わりが深いんだよ。はるか昔からね。さてと、君たちが怪しいものではないことはこの僕が証明しよう。何より殿下を助け、テレシアを倒してくれたんだからね。彼らを自由に、彼らのコートでの行動は僕が責任を持つ。大切な客人として扱ってくれ。はっ。本当はコートを案内してあげたいところだけど、僕はこれから陛下に報告に行かなくちゃならない。この部屋は自由に使ってくれていい。コート見物するもよし、ゆっくり休むもよし。じゃ。待って、アルビース、まだ聞きたいことが。焦らない、君の聞きたいことは大体想像がついてる。まあそのうち必ず。
さてっと、コート見物にでも行ってみるか。そうね、ここにいても退屈だわ。うん。リキ、メリアちゃんを探してくるもん。待って、リキ。予言官殿。何事だもん。アルビスならここにはいないぜ。ん？一体どこにおられるのだ。どうしたんですか。エルト海で転送装置の修復をしていた招待から救援要請が入ったのですが、その一報を最後に通信が途絶えてしまい、足取りが全くつかめないのです。そいつは一大事だな。シュルク、助けに行くも。困った時はお互い様だもん。は、そうだね。僕たちも協力しますよ。しかし、あなた方は。心配いらないもん。ここは勇者リキに任せるもん。かたじけない。どうかよろしくお願いします。Voilà, donc on reprend la l'équipe. Par contre, je vais juste voilà changer là. Ça va niveau PV, ils sont bien remis tous à peu près au même niveau. Voilà, aller au phare, bon, faut que c'est la quête. Hein. Donc ça sera une petite quête à faire, comme je vous l'ai dit, une petite quête où il va falloir que j'aille aider un mec. Il y a un objet là-bas. On va le prendre, c'est un objet de quête. Ah, c'est bien de les faire apparaître avant, on les ramasse et puis après moi je vais faire ma quête de mon côté. De toute façon là l'épisode est quasiment fini. Ce que je vais faire c'est que je vais même me téléporter dehors, rien à foutre. Ouais, par contre, on se téléporte comme ça. Voilà, donc imposante cité flottante peuplée par les Hyent. Leur technologie est si avancée qu'elle demeure inconcevable pour les ronces, voilà. Et vaste mer située à l'arrière du crâne de Biodis. Ces îlots aériens sont reliés par des transporteurs. Donc voilà, ça vous montre le truc. Donc on va aller par là. On va juste se mettre portail central. Parce que attends, elle est où la quête? Parce que c'est tellement grand que regardez, vous voyez, il y a des zones pour creuser un peu partout. On va se mettre là, on va aller voir. Voilà, donc il faut que j'aille là-haut. Donc après, bah, pour aller là-haut, enfin, je dirais c'est simple, oui et non. On va se mettre... Non, on va pas se mettre là, merde. Enfin, je me téléporte là-haut. Enfin, là-bas, il va me téléporter à un endroit. Et après, ça fait plusieurs zones. Et il faut que j'arrive à rejoindre là-haut. Donc, je pense qu'il va falloir que j'aille par là. Mais bon, je verrai ça. On verra ça dans le prochain épisode. Parce que voilà, je vais m'arrêter ici. Ça sert à rien de commencer la quête. Hein. Je vais juste faire 3 marches, battre un ennemi. Là, ça risque d'être un peu plus long pour battre. Pour battre tout ça. Pour battre les monstres qu'il va y avoir. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais pexer un peu de mon côté. Parce que ça risque d'être. Ça va devenir compliqué un petit peu. Voilà. Et voilà, dans le prochain épisode, donc on fera ça. Comme ça, après, on pourra revoir Melia. Parce que pour l'instant, voilà, elle est plus encore avec nous. Vous voyez, elle reste avec nous 5 minutes et puis elle repart. Voilà. Donc là, ici, il y a une zone. Je crois que ça va me faire apparaître un petit peu de XP. Vas-y, fais péter. Hein. Ah non, c'est au cas où on nage, voilà, parce qu'on peut nager ici. Non, ça me... C'est pas un point de repère. Bon, bah c'est pas grave, donc voilà. Bise, et à la prochaine, donc je sais pas quand je retournerai, on verra bien. Allez, bise!